Salut, c'est Maya, retour dans nos laboratoires afin de tester une nouvelle combinaison et pas n'importe laquelle, celle de la Sentinelle qui va nous permettre de nous mettre à l'abri une fois qu'on aura remarqué la présence du tueur, une fois que le tueur s'approchera de nous alors qu'on sera par exemple en train de réparer un moteur ou de soigner tout simplement un survivant, un de nos collègues. Alors comment cela fonctionne-t-il? Nous allons mettre en place la combinaison des 4 compétences suivantes. Nous avons Poids-Plume, qui fait en sorte à ce que lorsque nous avons un état de course et que nous laissons des éraflures, les éraflures restent le moins longtemps possible. Nous avons Obnubilé, qui a la compétence de Nancy, qui nous met en état de marche accélérée. La condition sine qua non, cependant, et au demeurant, c'est de faire en sorte à ce que nous ne soyons pas blessés. Nous avons ensuite, et en troisième position, nous avons la course effrénée, traditionnelle, efficace, présente depuis la nuit des temps. Elle va nous permettre de donner un coup de boost une fois qu'on se met en état de course. Pendant 3 secondes, on sera à 150% de notre vitesse. Et enfin, nous avons Prémonition qui, une fois que notre angle de vue s'oriente en direction du tueur, eh bien, elle s'active et nous prévient de son arrivée. Évidemment, ça marche à une certaine distance, hein, ça ne fait pas toute la map, et ça donne la chose suivante. On répare par exemple un moteur, on surveille autour de nous, on voit, on remarque l'arrivée du tueur, on se met en état de boost, on se casse le plus loin possible. Une fois qu'on se sent en sécurité, eh bien on se met en état de marche pour se mettre le plus loin possible. Poids-Plume fait le reste du travail et efface le plus rapidement possible les éraflures laissées en arrière. Alors, et donc, c'est parti mon... Nous avons quoi ici présent? Nous... Ok. Nous... Ok. Moi je suis en mode ninja, hein. C'est-à-dire que là je suis avec une combinaison de perks. Oh! Mais évidemment. Non, il va aller là-bas. Ah, c'est Ghostface. Bah voilà, bien joué mon gars. Je suis en combinaison d'infiltration. L'objectif, c'est de faire en sorte à ce que il ne sache pas où je suis, quoi comment. Il me repère très... Non. L'idée, c'est vraiment d'être un ninja. De savoir où il est, quoi comment, dans quelle position. Le truc, c'est que si je commence à faire le totem, ça va s'entendre. J'ai Poids-Plume qui fait que mes empreintes de pas disparaissent vite. J'ai Prémonition qui fait que je sais à peu près où il est en voyant dans sa direction. Ce qui ne le protège pas de l'invisibilité. Si par exemple, il utilise le talent particulier de Ghostface, j'ai la compétence de Nan aussi. Et j'ai le seul... Avec sa ruine qui disparaît à l'instant, car j'ai guetté le moment où il avait le dos tourné. Il doit être un peu en somme devant le David. Donc là, ma mission est à peu près accomplie. Oh. On va faire ce moteur-là parce qu'il est... Je vais dire dispendieux, mais ça ne serait pas un peu disruptif. Il est accessible. Donc, très accessible pour le tueur. Et il n'y a pas de protection pas loin. Donc c'est très problématique pour moi. Et pour le coup, en faisant ceci, en guettant la venue du tueur, grâce à Prémonition, je vais pouvoir me casser assez vite, grâce à mon burst, mon run. Poids-Plume va faire disparaître assez rapidement les empreintes de pas, et une fois que je serai suffisamment loin, je vais utiliser la compétence de Nancy qui me permet de marcher plutôt vite. Quand je ne suis pas blessé, évidemment. Oh là 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 là, David qui l'a quand même bien tenu, il doit probablement avoir un truc type chili barbecue beurre de cacahuète pour justement savoir où sont les autres. Est-ce qu'il va aller vers moi? Je ne sais pas. La technique, ouais, c'est là, c'est rempidité. Bon, bref, Snake! Je suis Snake! Oh, et voilà. Et là, on a quoi? La ruine. Et 1, 2, 3. Nous irons. Zo. Et voilà. 3 moteurs, une ruine.
moi qui étais en mode Metal Gear et qui faisait en sorte de ne pas me montrer quand on était pas loin de du totem. Et là, je vais peut-être avoir prémonition qui va s'activer. S'il y a prémonition qui s'active, je me casse. Ah, il est là. Ouais. C'est ça. Je vais le laisser s'éloigner. Allez mon gars. Avant la P2. Maintenant casse-toi. Il va vouloir me chercher moi parce qu'il a Ghostface à quoi. Aïe. Mon gars. J'aurais dû continuer. Il sait où je suis. Il va vouloir me chercher moi. Hein. Non. À moins évidemment qu'il soit dans la perspective d'utiliser un Mori ou équivalent. Allez. J'en ai sauvé deux. Je te soigne éventuellement. Après t'avoir sauvé. Ma prémonition indique qu'il n'est pas dans les environs. Donc on va se soigner, on va prendre le temps en espérant que le dernier fait un moteur. Normalement ça devrait être le cas avec le temps qui a été imparti. Et s'il fait ce que j'imagine, il doit être en train de... peut-être de le tunnel quoi. Il a peut-être probablement pas aimé de l'avoir baladé. Et là on est dans une composition. Snake! Snake! Ah il a blessé le deuxième. J'ai attiré un peu son attention. Ok, il est juste là. Faut faire les moteurs. Ok, il a aussi le tour est joué hein, qui lui permet de faire dégager complètement. Ok. Qui lui permet de faire dégager complètement. De réduire la progression d'un moteur. Quand il accroche quelqu'un, 25%. Et il est là, il est allé de l'autre côté. Vers les moteurs. Moi j'ai pas bon time en plus, l'autre il est un peu sous discrétion. Il doit être probablement en train de pourchasser quelqu'un en face. Est-ce qu'il est resté dans le coin? Non, il est en train de suivre le David. Je vais attendre que Prémonition se réactive avant de savoir si oui ou non j'y vais. Ah mince, là j'ai mal géré. Ok, il a été décroché. Il doit être en train de revenir. Je vais peut-être pas trop m'exposer. Il revient pour essayer de le blesser. Moi je vais faire quoi? Je vais voir de l'autre côté. Ah, ok, il faut qu'on fasse des moteurs là. On est en train de se faire surpasser alors qu'on avait très bien commencé. Avec montrer ce que vous savez faire de David, on doit pouvoir avancer tranquillement un moteur, mais le tour est joué va nous faire régresser le moteur de manière un peu vénère. Chili Barbecue va savoir exactement où est-ce qu'on est. Et derrière, en revanche, on a quoi? On a lui qui va venir direct et qui va me mater la bilvesée. Et en plus de ça, voilà. On peut le faire, on peut peut-être le faire celui-là. Hein. Allez mon gars. Tu vas préférer Sulky. Il va casser. Oh non, alors ça c'est dégueulasse quoi ce qu'il a fait. Aïe. L'autre, c'est dégueulasse ce qu'il a fait. On était bon. L'autre, il a carrément abandonné. L'autre, il a abandonné. C'est dégueulasse. On était bien, on était bon. Et l'autre, il a carrément abandonné. Bon, prémonition m'indique qu'il n'est plus là. Quel dommage. On avait vraiment l'avantage. Hein. A 4, on aurait pu continuer à exploser le truc. On n'a pas fait... J'ai fait tomber aucune palette. Il a en quelque sorte rage kit. Il a pas donné un coup? Si, il a donné un coup, bien sûr que si. Et dans le coin. Je suis toujours blessé, j'ai prémonition qui m'indique que... Il est dans le coin. Il doit être en train de suivre quelqu'un. On va quand même prendre des risques, on est là pour ça. J'ai pas du tout été accroché. Il va juste surveiller les angles morts. Ok, il est en train de suivre Puppy Light. Peut-être qu'en faisant ce moteur là, peut-être qu'un deuxième moteur qui doit être en train d'être fait. Oh non, il lui a asséné un coup direct. Allez, je me casse. Quel dommage, quel dommage, quel dommage. Est-ce que... Bah, l'idée ce serait d'avoir la trappe hein, maintenant. Hein. On n'est pas loin, savoir du moins où est-ce qu'elle est.
Et pourquoi y a rien qui est fait là? Ouais, y a rien qui est fait là non plus. Pourquoi y a sur les trois dernières... Mince. C'est moche là. C'est moche hein, parce que là j'étais très bon ninja. Mais y en a un qui arrache kit. C'est dommage. Est-ce que tu passes dans le coin mon gars? Non hein. J'entends quelque chose. Est-ce que c'est moi qui j'ai mis? Ou est-ce que c'est quelqu'un dans le chat? Je ne saurais dire. Ok. Je sais pas. Ok. Oh mince. Je vais quand même faire le moteur. J'ai aucun élément de soin. C'est dommage hein. Oups, c'est moi. Et voilà, et le deuxième va tomber aussi. Le parage kit. Hein. J'ai un vieux lac dégueulasse. Ah d'accord, Payo, ok d'accord. Allez. J'ai cru. Ah ça arrive. On est en train de suivre l'autre, faut que je fasse gaffe. En espérant que ici. Ah il m'a vu hein. Il m'a complètement vu. Allez, je me casse. Direct. Hein. Il cherche l'autre ou il vient vers moi? Oui alors il est venu à quatre pattes. Ouais. Il me suit moi hein, en espérant que ça lui laisse la latitude pour le... Pour... Pour le retirer. Allez mon gars. J'ai vu par où est-ce qu'il venait. Si j'ai réussi... Oh non, j'étais tri-bloc. Si j'ai réussi à le minder comme ça, en étant le ninja... Quoi? Ça serait vraiment foufou fifou. Le temps, les secondes qui viennent nous le diront. Oh mon dieu. C'est elle. Où est dans une game? Bah c'est pas grave, pire. Ok, elle est revenue par la directe. Bon, ça leur a laissé le temps de se soigner. Moi, je suis pas bien du tout, là. Ok. Je sais pas s'ils ont fait... Oh non, il les a. Quelle tristesse. Il les a ciblés tous les deux. Je suis pas accroché encore une seule fois. Hein. Je suis en mode Metal Gear. Et là, pour le coup, les combinaisons marchent plutôt bien. Avec Poids Plume qui fait disparaître les traces de pas. Mon gars. Et Puppy qui va disparaître. Donc autant aller directement dans un placard. Hein, parce que Chili Barbecue va... Oh mon gars. Allez, soigne-moi. Fini de me soigner, il va trouver exactement là où est-ce qu'on est. Est-ce que le burst, c'est bon. Il va arriver en face, il va vouloir nous cibler tous les deux. Il faut que je me casse, genre, mais direct. Merci, désolé, on fait de groupe de 1. On fait de groupe de 1, t'es condamné. J'espère pas moi. Ok, je marche plus vite. Non, fais pas ça. Reste pas à côté de moi. C'est comme quand t'habites en... C'est ma cachette. C'est ma cassette. C'est pas ça. Tais-toi moi. Merci beaucoup, Nap. Merci beaucoup. Oh, les deux fois. Il attendait accroupi. La tristesse. Ok, mince. Maintenant, c'est de savoir où se trouve. Il l'a récupéré? Ouais, il l'a récupéré. Maintenant, c'est à moi de savoir où est la trappe. Il va l'accrocher et il est condamné. Hmm. Ça craint du total boudin. Allez, mon gars. Oh non, 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 non. Ok. Là, il peut me one-shot, là. Mais heureusement, mon gars, Metal Gear, la combinaison du ninja.
Ninja. Oh! Yes! In extremis. Oh. Et ça, c'est beau. Oh, c'était chaud, c'était chaud.